Voilà, nous sommes au cœur de notre émission intitulée Au cœur des associations. Ouais, et tout à l'heure, nous échangerons avec les responsables d'une importante association en entendant que vous êtes en train de partager l'émission. Nous aussi, on en fait autant. On laisse cette plage musicale nous donner quelques minutes de partage. Et là, c'est reparti avec Claude Romia. Yeah, you know, I'm a baby, 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 yeah, you know, I'm a baby
Quand tu vas dans le tamale, là-bas c'est la princesse. Quand tu vas dans le démon, là-bas c'est la reine. Oh, les amazons du démon, Boubou le cavalier, oh, là-bas c'est la princesse. Boubou le démon, eh, là-bas c'est la reine. Oh, la femme belle, c'est la meilleure. La vraie beauté, c'est trop à l'ouest. Ah, tu sais qu'il y a encore du monde, il y a des belles femmes. Tu sais qu'il y a encore du monde. Il y a des jolies nanas. Mais pour moi, la vraie princesse, c'est la femme ouais. La femme au grand cœur, la femme qui élève, la femme qui aime, la femme qui pardonne, la femme qui supporte. Et pourquoi je vous dis la vraie beauté, c'est tout à l'ouest. La beauté, ça c'est chez nous. Oh yeah, la femme ouais, c'est la meilleure. C'est la meilleure. La beauté, ça c'est chez nous. Voilà, nous tenons à remercier tous ceux qui ont gardé de la patience, le temps que nous partageons au maximum cette émission, afin de permettre à tous ceux qui nous attendaient de suivre maintenant l'émission au cœur des associations. Oh ouais, je vais saluer tous les ressortissants des deux régions, le Guémo et le Kabali, tous les frères et sœurs depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Sur le plateau de notre émission au cœur des associations, ouais, nous recevons cette importante fédération dénommée la Fédération des associations des femmes de Quibli, qui est dirigée par la présidente Madame Véronique Pécoura. Et puis ici, elle est accompagnée de sa vice-présidente. Épouse Oulaï, voilà. Alors donc je dis Madame Véronique Pécoura, épouse Oulaï. Elle est accompagnée de sa vice-présidente, sa deuxième vice-présidente, Madame Doua Armen, et aussi de sa trésorière générale, Madame Zier Rose. Ouais, voilà, c'est avec ces moments que nous allons parler de la Fédération des associations de femmes de Quibli. Voilà, mesdames les présidentes, bonsoir. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau pour parler de votre association. Cette émission a été mise en place pour permettre à toute la population, ouais, et dire aussi à l'État de Côte d'Ivoire qu'une chose est, c'est vrai de mettre en place une association, une fédération, mais la particularité chez les Ouais, c'est que nos associations sont totalement opérationnelles. Voilà. Alors, on va commencer par celles qui ont accompagné la présidente, et puis on va terminer avec la présidente. Nous allons faire des salutations en Ouai. Alors, je vais commencer par la trésorière générale, Madame Zé, qui va saluer en Ouai toute la population de Quibli et à partir de là, tous les Ouai. Bien, Luc. Mon gémin, Pierre Riga, on sait à fond, on sait Faf Capon. Voilà, c'est bien dit. On passe maintenant la parole à la deuxième vice-présidente qui va saluer en haut. Voilà, maintenant la présidente qui va donner les grandes conclusions des salutations. Ok. Non, à quel moment vous avez tout ça? Surtout ma Céline Témoko, épouse ma, mon pensée, à vous tout à dé. On est non à dé, mais on est non à dromé, mais d'obé à nous, vous avez tout ça dé. À quoi ni, à Sénau, à quel à Sénau. Ni à bien oué, ni du homme, à vous Sénau. Voilà, merci beaucoup, c'est vraiment bien dit, c'est les salutations, ouais, ne vous en faites pas. Chers amis qui ne sont pas des Ouais, tout à l'heure, on parlera de cette association en Ouais, mais on commence par ce qui est de coutume. Voilà. Alors, on va à l'étape 2.
Notre trésorière générale va maintenant se présenter. De quel village elle vient, de quelle famille, et voilà. Ah oui. Ah, nous n'avons pas de rose. Ma quand on est ici, il met tout en dans ma danse. Où le travail n'a dit. Il n'est pas qu'à trésorier. Il m'a dit, il n'a dit qu'on président de femme. D'accord. Et cette partie-là, ça n'a pas été bien entendu. Hein? Président de quelle part? Je suis, il n'a pas appelé à l'Ukriba. Et mais président de l'Ukriba. Parce que Fafka est une fédération. Une fédération n'a pas dit qu'à Prouetia. Pour la Rosio, à Rumiambi, car tout n'est adhéré à une fédération qui dit qu'elle vient de loin, maintenant elle est trésorière. D'accord. Voilà, on va maintenant chez la deuxième vice-présidente. Moi, je dois dire que Armène, pour la date de son. Dernière date de son, une loi. Il y a la fédération, elle ne dit pas présidente, là, Véronique Montaouna, à Madrid, il y a un club. Il y a un ami, bien dit, mais tout, il y a la fédération, loin, à Dioué, à son tableau pour elle. Il y a un ami, il n'y a pas de monde. Et c'est un vice-présidente, parce qu'on a confiance. Maintenant, pour mon vice-présidente, il y a un thème, il y a un PCO. Donc, on dit que tout a noyé la fédération pour dire qu'on a une organisation qui a été créée pour nous. Mais, c'est même un jour de l'éphone. Bon, organisation, je crois que quand il m'a dit qu'il n'y a pas eu de quitter après, quand il y a du monde. Donc, on a une organisation qui a été créée pour nous, il y a un domaine qui a été créée pour nous. Donc, on a un mandat. Voilà, merci beaucoup. Alors, la présidente fédérale. Ok. Mane, madame Véronique Bekoura, épouse Oulaye. Il est bien, qu'est-ce que c'est? Fédération est une bonne idée. Association de mon aide, est une bonne idée. Et même femme dynamique de Taobi. C'est vrai, bon, c'est mon nom, on m'a dit que je suis un président, mais tu as un petit peu de temps, et tu donc, il s'est descendu, il m'a dit. Je me dis, Fafka n'a tué, bon, mon poney, on a son son, mais un gris papa. Moi, je suis dit, je suis dit, oui, PCA, madame Ma, je suis à Londres quand on a un pont, ma délivie, d'un toit à Wayne, c'est une seigneur à l'aîné, ma baigna. Donc, voyez, vous direz quand, Fafka, nous baillons tout, t'as autant pour Nia, d'Aloa, Donnel, ni à dit mon chepa, ton pas, et ne gagne à ta pro, blog, tout dit, on y a diaspora, mon béni, oui, tout c'est pour. Parce qu'on pourra nous avoir accompli, non. Voilà, c'est bien dit. Alors, je pense bien que la présidente nous a dit de quelle famille elle vient. Nous les bons, mais. D'accord. Voilà, alors, donc, on a fini l'étape 2. Je rappelle encore que nous sommes sur le plateau de notre émission Au cœur des associations. Ouais. Et nous recevons sur ce plateau la Fédération des associations de femmes du département de Kwibli. Et ça, c'est dans la région d'Iguéou. Voilà. Alors, la présidente, on parle association. La fédération, cette fédération que vous dirigez aujourd'hui, comprend combien d'associations de femmes? Ok. Pour rentrer dans le sujet de l'association, je dois bénir d'abord le nom du Seigneur. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, c'est lui, nous mettons au devant. C'est ça. Notre association comprend une centaine. Parce qu'il y a les adhésions qui se font actuellement, une centaine d'associations. Le département de Kwibli a plus de 60 villages. Mais retenons que dans chaque village, il peut y avoir plusieurs associations.
Donc, quand les associations, celles qui étaient son entrée, on l'accepte toujours. Et puis, il y a une chose très importante aussi que je vais dire. C'est vrai, on parle des associations des femmes de Kumbi. Mais à Kumbi, il n'y a pas que des ouais. Il y a des associations des halogènes qui sont aussi dans la FAFCA. Voilà. D'accord. Et historiquement, alors combien d'associations aujourd'hui renferment cette fédération? 105 associations. Wow, ça, c'est vraiment super. C'était un gros travail qui ça va. Alors, à quel moment est venue en vous l'idée de vouloir fédérer toutes ces associations? Ok, merci. Cette inspiration est venue de notre PCA. Lorsqu'elle m'abordait déjà, elle avait mis la fédération sur place. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette fédération? Elle a vu en ses soeurs de Kumbi, qu'elle soit en Côte d'Ivoire ou bien dans la diaspora, qu'elle veut travailler. Mais quand les forces sont dispersées, nous ne pouvons rien faire. C'est comme ça, un jour, elle a décidé de réunir toutes ses soeurs pour qu'ensemble, nous travaillions, pour que nous attirions aussi nos soeurs qui sont au village, dans les campements, à leur donner même le goût même de vivre d'abord. Parce que ces dernières, elles se sentaient vraiment isolées. Quand on dit qu'une femme vient de la ville et celles qui sont au village, on sent une petite frustration d'abord. Donc, en créant cette fédération qui réunit toutes les femmes, d'abord, c'est la chaleur. La chaleur d'abord, la collaboration, la cohésion entre nous. Maintenant, après, quand on parle d'association, de fédération, c'est pas de jouer, de s'amuser. Il faut travailler. C'est ça. Parce que l'objectif même visé, c'est l'autonomisation de la femme. D'accord. Et est-ce qu'il a été quand même facile pour vous d'arriver à fédérer jusqu'à une centaine d'associations de femmes? C'est pas facile. D'accord. La petite histoire qui nous a le plus marqué négativement? Bon. Une fois, nous sommes partis à Kumbi pour 8 mars. 8 mars, et c'était la première édition à Kumbi. Quand nous sommes arrivés d'abord, nous avons trouvé notre ville qui n'était pas trop agréable à regarder. Et comme ça, nous avons vu le maire, nous avons décidé de rendre d'abord Kumbi propre. Nous avons travaillé. Et quand nous avons fini la cérémonie, vous voyez souvent, il y a les jeunes filles, il y a les vieillards, les gens, vraiment, il y a les gens qui ne respectaient pas les vieilles femmes. Il y a une vieille femme qui s'est plaint. Oh, cette vieille femme-là, elle est tellement âgée, mais à cause de la fédération, à cause de Marceline, elle a parcouru une distance vraiment pas négligeable pour venir à Kumbi. Et une jeune fille, vraiment, lui a mal parlé. Ça m'a choqué. C'est pour dire quoi? Quand nous sommes en association, quelle que soit la personne qui est en face de toi, il faut avoir un minimum de respect. C'est ça. Parce que quand il y a le respect, le travail avance. Celle même qui est à la tête aujourd'hui, là, il y a d'autres femmes qui peuvent la mettre au monde. Mais quand elle est là, c'est une mère. On doit la respecter. Donc, on est quelque part et puis il n'y a pas de respect. Vraiment, moi, je ne supporte pas. Et ça prouve que ce n'est pas facile quand même de diriger, c'est hein, pas facile. De rassembler. Ce n'est pas facile parce qu'il faut gérer les humeurs de chacun. D'accord, jusqu'à 100 et quelques associations et dans chaque association, c'est des milliers de femmes. Oui, dans chaque association, il y a des... En tout cas, le plus petit nombre dans une association, c'est une cinquantaine. Parce que quand les gens attendent Marceline Thiemoko, vraiment, tout le monde veut la découvrir. Tout le monde veut voir cette dame. Moi-même, souvent, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, elles sont nombreuses. D'accord. Elles sont nombreuses. Alors, en quelle année vous avez décidé de fédérer l'association? C'est en quelle année ça? La fédération est née le 25 septembre 2016. D'accord. 25 septembre 2016. 2021, ça fait pratiquement... 5 ans que la fédération existe. D'accord. Alors, on revient à la deuxième vice-présidente, Madame Doua.
Alors, vous êtes présidente d'une association, vous êtes aujourd'hui au sein de la fédération, vous avez été nommée deuxième vice-présidente. Est-ce que le travail qui vous est confié, la tâche est facile? Mais pour moi, je pense que la tâche est facile, hein, parce que là où il y a toujours des êtres humains, il y a quand même des grincements dedans, il y a des accrochages. Mais quand je dis que la tâche est facile pour moi, moi j'ai fait les relations publiques. Donc je sais plus ou moins comment appréhender tout ce qui va... déjà, quand on lance un projet ou bien quand tu as posé un préalable d'un projet, il y a toujours déjà des questions ou alors des attitudes négatives auxquelles tu dois quand même faire face. Et on prépare déjà notre esprit à appréhender tout cela. On prépare notre esprit. Pour moi, aujourd'hui, avec nos sœurs, on n'a vraiment pas de difficultés en tant que telles. On échange beaucoup avant de prendre des décisions. D'accord. Mais pour le moment, on n'a pas encore eu de difficultés en tant que telles. Aujourd'hui, comme vous avez posé la question tout à l'heure sur ce qui était négatif, on avait voulu faire un projet relativement à l'autonomisation de la femme à Cuibou. D'accord. Et ce projet-là, au moment où on devait l'entreprendre, il y a le problème sanitaire qui est intervenu, c'est-à-dire qui est survenu, je ne peux pas dire intervenu, qui est survenu et qui a surpris tout le monde. Donc du coup, le projet avait été ajourné. Étant donné qu'il n'y avait plus de mobilité, il n'y avait plus vraiment de contact. Il fallait qu'on soit sur le terrain. Et les femmes attendaient de nous pour dire que mais, nous, on avait dit de faire nos produits vivriers pour que vous veniez nous aider. Aujourd'hui, si on n'est pas allé vers ces femmes-là, au moment où elles avaient besoin de nous, à la période indiquée en 2020, c'est parce qu'il y a eu le problème sanitaire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que toutes ces activités-là puissent être remises sur la table pour qu'on puisse vraiment réaliser et aider les femmes à se démarquer de leur oisiveté, à se démarquer des souffrances qu'elles ont. Il faut qu'on arrive à les aider et à les emmener quand même à écouler leurs produits. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir encore ce projet-là et je pense que très bientôt, elles vont s'ouvrir. D'accord. Alors, la trésorière générale, ça, c'est le ministère de l'économie. Et là, ce n'est pas facile, la comptabilité. Alors, est-ce que, à votre niveau, la gestion financière est chose facile? Bon. Parce que par moment, on accuse les trésoriers par-ci, par-là. Est-ce que vraiment c'est facile, cette tâche? Bon. Et vous n'avez pas par moment de plan démissionner de cette tâche? À mon niveau, je n'ai pas de problème. La femme qui a eu la chance de donner ses finances au ministère de l'économie et des finances. Parce que je suis agent des douanes. Formidable. Donc, l'argent, pour elle, elle se dit que jamais. Ça va disparaître. Parce que là, on a confié au douanier. Le douanier ne va pas bouffer leur argent. C'est ça. On a eu la chance, dans notre fédération, d'avoir beaucoup de fonctionnaires. Donc, la confiance est de mise. Elles n'ont pas de problème avec moi. D'accord. Et surtout, c'est la douane. La douane, c'est une question de gestion. Surtout que là, grâce à la douane, le pays avance. D'accord. Alors, la fédérale, aujourd'hui, vous avez une centaine d'associations que vous dirigez. Et là, vous avez beaucoup de femmes sous vos mains. Quels sont les objectifs réels assignés à cette fédération? Comme je le disais tout à l'heure, j'ai parlé de l'autonomisation de la femme. Pour que la femme soit autonome, qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous avons toutes catégories de femmes. Il y a les femmes du milieu rural, il y a les femmes aussi qui sont en ville. Pour celles qui sont au village, nous les avons déjà sensibilisées en ce qui concerne les cultures vivrières, le vivrier, le commerce. C'est sur ça que nous avons commencé. Et comme la vice l'a dit tout à l'heure, on devait commencer les projets et nous tous, nous savons en Côte d'Ivoire, il y a eu un problème sanitaire. Mais malgré ça, nous avons mis quelque chose d'abord sous le sol et qui est sorti. Avant de faire cela, la PCA et moi, une année, on a décidé
d'acheter les brouettes, puisque je disais qu'on tenait à la propriété même de notre ville. Nous avons acheté une dizaine de brouettes pour donner aux jeunes pour rendre la ville propre. La ville de public. La ville de public. D'accord. Et ça, c'est déjà resté dans la tête des gens. Après le marché, automatiquement, on fait un nettoyage. En ce qui concerne les cultures, elle a déjà dit, on devait commencer et puis on a eu des problèmes sanitaires. Mais à l'heure où je vous parle, il y a eu quelque chose qui a été déjà fait. Il y a une poissonnerie de la FAFCA qui est installée à Pudi. Une poissonnerie. Une poissonnerie de la FAFCA. Ça, c'est une très belle action. D'accord. Et ça ne fait que commencer. Et cette poissonnerie emploie déjà combien de femmes? Une quinzaine de femmes. Ça, c'est à l'intérieur. Oui. Sans compter toutes les femmes qui viennent acheter les poissons. Elles ont des faveurs en venant acheter les poissons au niveau de la poissonnerie de la fédération. Si tu fais partie de la fédération, tu as une faveur. Tu as la possibilité de venir à payer après. Voilà. D'accord. Et ça, il faut dire que il faut déjà dire à nos responsables qui dirigent les associations au niveau du gouvernement, voilà des actions qu'il faut vraiment budgétiser pour pouvoir aider vraiment ces fédérations à aller vraiment de l'avant. Et c'est ce que nous avons besoin. Alors, la présidente, rendre la femme indépendante, autonome, pourquoi cela constitue une bataille? Cela constitue une bataille pour nous parce que les femmes souffrent. Moi-même, je suis née au village. Quand le mari ne vend pas son cacao, il ne peut pas donner l'argent à la femme, les enfants ne mangent pas. Si le mari n'a pas donné quelque chose à la femme, elle ne peut pas s'habiller. Ça fait que nos soeurs du village, elles ne sont pas épargnées. Elles sont toujours attachées à ce que leurs maris vont leur donner. Si le monsieur n'en a pas, c'est une désolation dans la famille parce que la mère elle peut rien faire. Les enfants ne peuvent pas manger. Donc ce problème, c'est tellement, ça nous fait tellement mal. C'est pourquoi nous voulons que nos soeurs sortent de ça maintenant. Quand monsieur n'est pas là, il faut que madame arrive à faire quelque chose pour tenir le foyer. D'accord. Alors, la trésorière, vouloir aussi l'indépendance financière de la femme, cette belle politique d'ailleurs au niveau de votre fédération, mais vous ne voyez pas que là, vous êtes en train d'amener la femme à s'imposer sur les hommes? Pas du tout. Pas du tout. Avoir les moyens financiers ne veut pas dire qu'il faut manquer de respect à son mari. Actuellement, le gouvernement prône quoi? Autonomisation de la femme. C'est ça. Et même au niveau du mariage, désormais, il y a une égalité de pouvoir. Hein. Évidemment, il y a une égalité de pouvoir, mais ça ne dit pas que la femme doit être au même niveau sur tous les plans que son mari. C'est vrai que le gouvernement a dit que la femme et l'homme, ensemble, on tient le carré, mais les responsabilités sont différentes. Concernant l'autonomisation de nos sœurs, Nous prenons ça parce que il n'y a rien de tel quand la femme a ses moyens financiers pour pouvoir se défendre dans la famille. Vous voyez que le coût de la vie évolue. C'est ça. La vie évolue. Donc, quand la femme ne fait rien, vraiment, il y a trop de palabres dans le foyer. Quand elle vend même. Parce qu'elle demande beaucoup. Elle demande beaucoup. La femme demande depuis beaucoup. Hein. Le coût de nos enfants. Devient de plus en plus cher. C'est ça. Or, maintenant, nous prenons la fabrication. Donc, tout le monde doit aller à l'école. Toutes les femmes doivent savoir lire. D'accord. Donc, si moi je ne fais rien et que mon mari n'est qu'un simple planteur qui est périodique, ça fait que nos enfants ne vont pas à l'école. Or, si moi je suis autonome de par la grâce de la fédération, je vends quelque chose. Demain, mon enfant, dès que son papa dit qu'il n'a pas, je lui donne de l'argent pour payer sa scolarité, pour payer ses fournitures. Et puis là, il y a une gaieté dans la famille. Je ne vais pas attendre. Personnellement, quand bien même nous soyons des fonctionnaires, nous ne pouvons pas encourager nos soeurs à rester sans rien faire. C'est pour ça que notre PCA,
elle continue, elle se bat pour ça. D'accord. Alors, la présidente du conseil d'administration, Maman Marceline Timoko, cette bataille que vous menez au sein du département de Publi et qui prend vraiment, qui a des effets secondaires dans toute la région du Guémont, est une inquiétude pour nous. On parlera de cette inquiétude avec la vice-présidente, la deuxième vice-présidente. Alors, une femme qui sait lire, c'est déjà une très bonne chose dans cette bataille. Une femme qui a l'argent, c'est déjà très très bon dans cette bataille. Alors, quand elle a ces deux-là, est-ce que vous pensez que qu'elle a l'argent, elle va vraiment venir donner? Parce que là aussi, vous allez mener la bataille. On a des femmes qui ont de l'argent, mais ça ne sort pas. Même quand il dit, mais tu travailles, et je ne vois pas. Alors là, la présidente, est-ce que ça aussi, vous êtes sur ce terrain? Ben, je souhaiterais que vous soyez précis, parce que vous parlez de donner, je ne sais pas, donner où, à la fédération? Non, je veux dire que, la femme, la fédération se bat aujourd'hui pour rendre la femme autonome financièrement. Oui. Elle sait lire. Celle qui ne travaillait pas avant travaille, elle a l'argent. Uh-huh. Elle ne sait pas lire. Elle sait lire maintenant grâce à la Fédération des associations des femmes de Quibli. Uh-huh. Elle a deux acquis. Alors, malgré qu'elle va travailler, il y a des femmes qui ne donnent pas au foyer. Ce que je veux dire, voilà, elles ne donnent pas au foyer. C'est ça, c'est de ça que je parle. Je pense que là, vous posez un problème de cas moral. D'accord. Et social. D'accord, aidez-nous. Et même de ménage. D'accord, aidez-nous. Aidez-nous. Mais si une femme, elle est devenue autonome, qu'elle a appris elle-même à avoir ses propres ressources financières, c'est pour qu'elle puisse aider son mari. En tout cas, écoutez très bien les femmes de Quibli, hein, parce que là, on est clair aujourd'hui sur le plateau. Ouais. J'invite aussi les hommes de Quibli à bien écouter. Hein. Allez-y. C'est pour qu'elle puisse aider son mari à joindre les deux bouts et à éduquer leurs enfants. C'est vrai, une femme qui sait lire, puisque une mère même déjà, elle est éducatrice. Et si elle sait lire, elle va mieux encore encadrer ses enfants. C'est ça. C'est pour ça qu'on souhaiterait qu'elles soient des femmes qui puissent faire des cours d'alphabétisation pour quand même arriver à comprendre ce que font leurs enfants à l'école. Mmh. Et puis, avoir des moyens, cela ne lui donne pas le droit d'outrepasser, elle, ses devoirs. Mmh. Une femme a des devoirs. Et en fonction de ses devoirs et de ses droits, quand elle combine le tout, elle devient une très bonne éducatrice pour ses enfants. Il n'y a pas que le monsieur avec qui elle est à la maison. Et même aujourd'hui, Dieu, que nous tous, on ne tarde pas à interpeller lorsqu'il survient quelque chose. C'est Dieu ça. Nous a dit, femme, soumets-toi à ton homme. Cela ne veut pas dire de devenir une serpillière, mais d'écouter. Tu dois être l'écoute de ton âme. Quand on te dit que tu dois être l'écoute, cela ne veut pas dire que tu te laisses marcher là-dessus. C'est ça. Et aujourd'hui, la même parole de Dieu aussi qui nous dit, homme, aimez vos femmes. Lorsque un homme sait aimer sa femme, il n'y a rien qu'il puisse obtenir d'elle. Voilà, en tout cas, écoutez ça très très bien, hein, parce que la fédération m'a parce qu'aujourd'hui, là, la femme, elle a une puissance que l'homme ne peut pas maîtriser. Mais aujourd'hui, c'est par des astuces, par des mots d'apaisement ou par l'amour qu'il arrive à toucher le cœur de sa femme. Parce qu'une femme qui est amoureuse, on ne peut rien faire sans qu'elle ne puisse vraiment satisfaire le besoin de son homme. Donc aujourd'hui, c'est de respecter, de montrer à la femme, de la mettre en confiance. Sinon, aucune femme sur cette terre ne veut pas qu'on dise voici le mari de tel, voici, c'est vrai que lui, il n'arrive pas à rejoindre les deux bouts, mais aujourd'hui, sa femme fait tout pour qu'il soit comme un homme qui travaille. Ou alors, voici la femme de tel qui s'occupe bien de ses enfants et qui aide son mari. Donc, une femme qui apprend à lire, une femme qui est autonome financièrement, c'est déjà une aide, non seulement pour sa famille, pour son ménage, pour sa famille d'où elle-même elle vient, pour la famille de son époux, et même pour tout le village et pour toute la nation. Donc pourquoi est-ce que cela devrait être un problème? Moi, à mon avis, c'est un gain pour la Côte d'Ivoire, c'est un gain pour Quibli, c'est un gain pour tous nos villages, pour tous nos ménages. Voilà ce que je peux dire. Donc je ne souhaiterais pas que cela soit un problème
l'autonomisation de la femme ne doit pas être perçue comme un problème, mais il doit être perçu comme un bénéfice pour le monde, pour la vie même du foyer, pour la vie du village. D'accord. Alors, Émilie Gouliard, à notre niveau, nous avons fait le test, le son, il passe vraiment très très bien. J'ai le deuxième portable qui vient de me dire. Alors, il faut augmenter le volume à ton niveau. Voilà. Alors, tout est grâce, une réduction quand tu es membre. Ok, d'accord. Une réduction quand tu es membre. Alors, on nous dit okay. Qu'une réduction quand tu es membre au niveau de vos activités, c'est ce qui nous dit tout est grâce. Mm-hmm. Et je vais lire le message de ici. Alors, Chantal Magnin, qui est la présidente d'une importante association qui vient au secours des enfants démunis à Paris, qui dit « Il y a une égalité entre l'homme et la femme, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas respecter son époux. Bonjour. Une femme doit travailler pour aider l'homme dans le foyer. Oui. » Ok, merci madame la présidente Chantal Noe. Alors, comme je le dis, vous pouvez partager au maximum à toutes les femmes qui sont amies à vous et soyez bénies. Voilà. Alors, la présidente, on revient à vous. Au niveau de faire en sorte que les femmes puissent savoir lire, alors quelles sont les actions concrètes que vous avez menées dans ce sens? Quelles sont ces femmes qui ont déjà bénéficié de cette école-là? Voilà. Bon, avant de revenir à votre question, d'accord. Vous avez touché un point très sensible et très important. D'accord. En ce qui concerne le respect de la femme vis-à-vis de son mari, si elle est autonome. D'accord. Voilà. Alors, je vais dire aux femmes que nous sommes sur le plateau au cœur des associations, ouais, et nous recevons sur ce plateau cette importante fédération dénommée la Fédération des associations des femmes de Quibli. Quibli, c'est le département, c'est dans la région du Guémont. Cette fédération a pour président conseil d'administration la présidente Marceline Thiemoko qui est à Londres, je crois bien, voilà, qui est à Londres. Et je vous dis que sur ce plateau, nous avons la présidente de cette fédération, madame Véronique Pekoura, épouse Oulaï. Et nous avons la vice-présidente, la deuxième vice-présidente, dans tous les cas, c'est des présidentes, la vice-présidente, madame Doua Armen, voilà. Et puis, la trésorière générale, nous avons madame Zie Rose Bay. Et c'est avec elle que nous parlons de cette fédération qui se bat vraiment pour que la femme, d'où qu'elle soit, elle soit vraiment heureuse. Les dossiers sont vraiment chauds. Hein. Voilà, la présidente. Oui, comme je le disais, j'ai dit vous avez touché un point très important. Je vais revenir sur ce point. D'accord. Il est très sensible. Très bien. Vous voyez. Ah, faire des femmes, là, c'est difficile. La femme où elle pour ceux qui ne la connaissent pas, moi j'ai dit que la femme où elle fait partie des meilleures femmes du monde. Les femmes où elles font partie des meilleures femmes du monde. Vous pouvez acclamer, on va régler le compte. Soumission de mise. Elle n'aime pas la honte. Elle n'aime pas l'humiliation. C'est pour dire qu'une femme où elle ne peut pas avoir les moyens. Et son mari va souffrir. Et son mari, moi-même personnellement, je n'aime pas que mon mari demande crédit au dehors à ses amis. Elles sont notre orgueil là. Je peux dire que c'est un orgueil positif. Et notre éducation que nous avons reçue de nos ancêtres, ça ne nous permet pas d'être au-dessus de nos maris parce que nous avons les moyens. On a vu. On peut prendre l'exemple de Maman Nyonsoa, qui est agrégée de histoire jour. Mais on n'a jamais dit qu'elle a divorcé. Elle est toujours restée Madame Nyonsoa dans sa vieillesse. Elle n'est pas la seule. Beaucoup de femmes ouais. En tout cas, moi, comme on le dit, et si je n'étais pas ouais là. Vous avez bien compris, hein, maman. Elle dit Maman Nyonsoa est mariée, elle n'a jamais divorcé. C'est pour dire que vous, les hommes, ouais, qui divorcez matin, midi, soir, là, vous êtes concernés ici. Nous, les femmes, ouais, là, nous sommes des femmes vertueuses. Nous sommes les femmes vertueuses. Sincèrement, ce qu'on demande à nos hommes aujourd'hui, là, il faut qu'ils reconnaissent notre valeur. C'est une chance pour eux d'avoir les femmes ouais, d'épouser les soeurs. Ils n'ont qu'à reconnaître nos valeurs. Bien yes, ça. Oui. C'est pas parce que je suis devant votre écran que je vais faire le farotage. Mais c'est une réalité. On a vu nos mamans.
quand le monsieur même dit va pas au champ, la femme, ouais, elle est au champ. Elle n'a jamais dit, si toi tu vas pas au champ, je vais pas aussi, je reste. Elle a toujours dit, si moi je vais pas au champ, mes enfants mangent quoi? Comme c'est les femmes vertueuses qui sont à la tête de la FAFCA, au même moment où nous disons à nos femmes de travailler, d'être autonomes, nous leur aussi prenons le savoir-vivre. La ligne à conduire, ce n'est pas parce que tu as l'argent que ce que Dieu même nous demande, tu vas dévier. Tout à l'heure, quand je vais commencer, je dis, je bénis le nom du Seigneur parce qu'ils ont des femmes chrétiennes qui sont à la tête. Donc, les mêmes moments, on prend, on leur demande de faire l'alphabétisation, on leur aussi demande de respecter leur mari, de connaître leur place de femme dans le foyer. Donc, voilà, n'ayez pas peur. D'accord. En tout cas, c'est pas du monde du public est sauvé. Hein? C'est une richesse pour ceux qui ont des femmes, voilà. Ils sont bénis. D'accord. Voilà. Alors, vraiment, c'est une chance pour le département de Kubli qui comprend ces milliers de villages-là. Oui. Les femmes, en tout cas, il faut dire que votre temps est arrivé. La Fédération des associations des femmes de Kubli va vraiment bâtir votre bonheur. Et là, on ne demande pas aux femmes de Diokwe et Bangolo d'aller résider à Kubli pour bénéficier. On peut juste leur porter notre expertise. Hein. On peut aussi déménager, venir à Kubli et adhérer au sein de cette fédération. Il n'y a pas de problème. Nous sommes ouvertes. Hein. D'accord. Alain Longué, voilà. Donc, c'est à toi, je donne cette information. Hein. Oui. Tu peux rester à Kubli et puis travailler à la radio de Diokwe. C'est bien ça. D'accord. Et on est prêt à lui trouver un terrain pour qu'il puisse construire et y rester. Vraiment, c'est une chance pour toi. Et si tu n'as pas encore une cote aussi, tu auras la chance à Kubli. Parce que j'ai un message très fort. D'accord. Aux hommes. D'accord. Message fort à passer aux hommes de la part de FAFCA. La présidente, passez le message. Consommer la femme, ouais. Hein? Consommer la femme, ouais. Consommer la femme, ouais. Mm-hmm. Quand nos frères ont des moyens, ils vont ailleurs. Ah. Et quand ils sont dans la souffrance, là, ils réveillent la femme, ouais. Moi, j'ai dit à nos jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, si un ouais là, il allait prendre femme, elle aussi, elle a consommé homme, ouais. Oui. Très bien. Un ouais qui allait prendre femme ailleurs, s'il vient maintenant pour dire tu vas être mon petit bureau, il faut pas y accepter. Je ne suis même pas dans faire des petits bureaux. C'est chaud, hein, FAFCA. Ah oui. Mm. On n'est pas dans faire des petits bureaux. Nos soeurs aussi, elles ont besoin de se marier. Le linge sale, là, ça se lave en famille. D'accord. Alors, la trésorerie, je la vois qui boue, elle veut vraiment connaître encore les hommes. On a chaud ce soir. Pas du tout. D'accord. Alors, un mot, la trésorerie, sur ce dossier, De la femme. J'ai posé cette question, hein. La femme qui a l'argent, on ne peut plus respirer. Non, jamais. Jamais. Je disais tout à l'heure que on a une fédération qui a la chance d'avoir des femmes, l'économie et des finances. La présidente qui est assise, Léonie Koukoua, qui est agent des douanes. Moi-même, je suis officier des douanes. Donc, en matière de finances, on n'a jamais eu le dessus sur nos maris. Nos finances que nous avons, nous mettons à la disposition de nos frères, de nos soeurs, de notre village. Parce que nous devons faire partie du développement de notre village. On vous disait tout à l'heure que nous sommes toutes des présidentes d'association. Et au sein de la FAFCA, chacune a un poste. Moi, je prends le cas de chez moi, de Nenandi Tebao 1. Je suis présidente d'association. Mais là-bas, dans mon village, pour ceux qui connaissent Nenandi Tebao, connaissent mes actions dans mon village. Très bien. Je me suis toujours mise à la place d'une femme. Mon mari n'est pas de la même région que de nous. Il est de Bleuquin. Ah, il est de mon département. Il est de votre département. En tout cas, il faut consommer Bleuquin. Mais pour ceux qui me connaissent là-bas, ça, c'est une affaire de consommation ce soir-là. La femme, de par mon exemple, beaucoup de jeunes, beaucoup de parents de Bleuquin veulent avoir une femme, ouais. Ah, super. De par notre respect, de par notre soumission,
de par notre genre. Ça, c'est la particularité de la femme de Kwibli. Femme ouais. La femme ouais. Du coup, on dit femme ouais. Femme ouais. Voilà. Particulièrement Kwibli parce qu'il s'agit aujourd'hui. Ouais, particulièrement Kwibli. Oui, vous l'avez dit aujourd'hui, il s'agit de Kwibli. Donc, Kwibli d'abord. Je dois prôner la gentillesse des femmes de Kwibli. Kwibli d'abord. D'accord. Nous concernant, nous n'avons jamais eu le dessus sur nos maris. D'accord. Jamais. L'argent est là pour satisfaire, mais l'argent n'est pas nécessaire dans le cas de foyer. D'accord. La femme, quand elle a l'argent dans son foyer, c'est la force du foyer. C'est ça. L'argent que la femme a dans son foyer, c'est pour son foyer. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être femmes, ouais, d'appartenir à cette fédération. Parce que nous allons chercher pour venir donner à la fédération. Nous allons chercher pour donner à nos sœurs qui font part de la fédération. Donc vraiment, loin de nous cette domination financière. D'accord. Voilà, dans la région du Guémont, il faut retenir qu'il y a une importante fédération, dénommée Fédération des associations des femmes du département de Kwibli qui vraiment travaillent de jour comme de nuit pour le bonheur de toutes les femmes, quelle que soit leur ethnie, toutes les femmes du département de Kwibli. Et pour ça, elles ne donnent vraiment pas du tout. Alors, on rappelle aussi que la présidente du comité du conseil d'administration de cette fédération est la présidente Marceline Timoko qui, elle, réside épouse-moi. Oui, je vois déjà. Que nous sommes des femmes. D'accord. Vertueuses. Public qui gagne. D'accord. Merci beaucoup, la PCA. Voilà. Alors, la présidente, on parlait de la question d'alphabétisation. Alors, vous avez commencé l'alphabétisation à partir de quelle année? Et puis, aujourd'hui, quel bilan on peut faire à ce niveau? Bon, pour être sincère avec vous, ça fait partie de notre programme, mais on n'a pas encore commencé. D'accord. Moi, vous êtes au stade du recensement des femmes qui ne savent pas écrire ni lire. D'accord. On n'a pas encore commencé. Et comment vous comptez mettre en application ce projet? Bon, ce projet, puisque la FAFCA, c'est tous les villages, les associations des villages de Kwibli. Dans chaque village, au moins, il y a une école primaire. Et il y a des responsables aussi qui sortent. Quand le moment va arriver, nous allons nous organiser. Par exemple, Madame Zieye, au niveau de Nenandi, tu organises les cours d'alphabétisation en collaboration avec les enseignants de ce village. D'accord. Et ça, en ce qui concerne la paie, ça va venir de la FAFCA. Également, elle, dans son village aussi, elle organise avec les enseignants de ce village. Et moi-même qui vous parle, moi-même je suis en train d'être fondatrice d'une école primaire. D'accord. Et dans mon école, les soirs, en tout cas, mes femmes dynamiques de Taobi vont se former. Donc nous prenons les précautions. En tout cas, nous prenons les précautions. Vraiment, je suis comblé avec la FAFCA, c'est ça. Alors, et là, on revient après cette autonomisation et puis l'alphabétisation qui sera faite. Alors, au niveau de la fédération, comment elle fonctionne, comment fonctionnent les associations, comment fonctionnent les fédérations, je veux dire. Alors, la collaboration, la cohabitation entre les associations et la fédération, expliquez-nous un peu le fonctionnement. Ok. Et le bureau de la FAFCA est composé des présidents de chaque association. D'accord. Et quand il y a un projet, ce sont les présidents des associations qui forment le bureau, qui se retrouvent. D'accord. Après une décision, et chacune fait remonter l'information dans son association. En plus de cela, nous avons deux plateformes. Une plateforme qui est ouverte à toutes les membres. Et une autre plateforme qui est uniquement pour le bureau. Et c'est à partir de ces plateformes-là, les informations passent. D'accord. Voilà, nous allons lire quelques messages qui nous parviennent.
Voilà, alors Pauline, épouse d'Aé, qui nous dit femme ouais, femme spéciale. Merci beaucoup. Nous sommes soumises en plus. Flore José Michel Bar, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Didier Okia, merci beaucoup d'être là. Germaine Momblé, sois béni. Merci beaucoup d'être là. Et puis, on continue de partager cette émission. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre sur le plateau de notre mission au cœur des associations. Ouais. Et nous recevons sur ce plateau la plus grande fédération, je dirais, de la région du Guémon. Oui, oui, tout à fait. j'ai fait un clin d'œil parce que voilà, j'ai senti l'odeur de jalousie un peu là. Alors donc, j'étais mis la plus grande fédération de la région du Guémon, la fédération des femmes, des associations des femmes de Cuba. Et quand il dit la plus grande fédération, je veux dire l'une des fédérations qui travaille sérieusement. Parce qu'une chose est de faire exister une association, une fédération, mais une autre aussi est véritablement de travailler. Et c'est ce bel exemple que nous montre aujourd'hui votre fédération. Voilà. Alors, je reviens à la vice-présidente. Votre association et la fédération, est-ce que ça va très très bien? Qu'est-ce que vos membres, vos associés apprécient vraiment depuis que vous avez adhéré à cette fédération? D'abord, la première question, de savoir si entre mon association et la fédération, tout se passe bien. Oui, je dis oui, tout se passe vraiment très bien. D'accord. Et quant aux femmes de mon association, ce qu'elles aiment, c'est qu'elles se disent qu'on avance quand même. C'est vrai qu'au niveau de notre association, on a nos activités personnelles. Mais lorsqu'on a décidé aussi de faire une fédération, on a d'abord fait l'investiture qui s'est très bien passée. Et au vu de l'investiture, elles se sont senties vraiment impliquées dans ce que la fédération faisait. Parce qu'on a voulu que tout le monde vienne et on leur a donné une place de choix le jour même de l'investiture. Ça, c'est déjà quelque chose qui leur a marqué. Et puis, lorsqu'il y a une décision qui doit se prendre au niveau de la fédération, on retourne toujours à la base pour échanger avec la base, pour leur dire, bon, ben, voici ce qu'on souhaiterait entreprendre. On vient vers vous pour prendre vos avis et puis ramener à la fédération. Et quand c'est comme ça, elles se sentent quand même grandi. Parce que comme le disait tout à l'heure la présidente, déjà quand on arrive au village, il y a quand même un complexe. Mais nous, on fait tout pour ne pas créer ce complexe-là. Donc on se met au niveau de ces femmes-là. Moi, par exemple, quand j'arrive dans mon village, je n'entends pas que les femmes mariées ou bien les femmes du village ne parlent pour moi. C'est moi qui prépare pour elles pour dire, venez, on va mettre la main ensemble. Donc déjà, ce n'est pas la fédération qui va établir ce contact d'amour entre nous. Mais c'est parce qu'on a ce contact d'amour qu'on arrive aussi à porter la fédération. Donc je pense qu'à mon niveau, la collaboration fédération et association se passe bien chez nous. D'accord. D'accord, c'est vraiment intéressant. Je vais revenir maintenant à la trésorière générale qui, elle aussi, est présidente de son association. Alors, vos rapports avec la fédération et les réactions au sein de votre association par rapport à votre présence au sein de la fédération? Au sein de l'association que je dirige, que j'ai l'honneur de diriger, il y a une satisfaction. D'accord. Parce que déjà, le jour même de l'investiture de notre association, on a eu la chance d'avoir notre PCA. Ce jour, elle était en Côte d'Ivoire. D'accord. Son mari étant parrain, elle est venue ensemble avec lui. Donc, les femmes de Nunandi, elles étaient vraiment très contentes d'avoir la PCA de FAFCA parmi leurs invités. D'accord. Donc, une très belle collaboration parce que, étant trésorière de la FAFCA, mon association est directement impliquée. Donc, tout ce que je fais au niveau de la FAFCA, les sœurs du village que je dirige, elles sont informées. Donc, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Alors, le message de votre président du conseil d'administration qui nous dit, je lis la présidente Marceline Timoko. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt, courage et félicitations. Merci.
D'accord. Alors, la fédérale, je pense bien que nous sommes dans, vraiment dans une cohésion hein, de travail. Alors, pour adhérer à la fédération, ce sont, vous avez dit, les présidents qui sont au sein de cette association, du bureau. Mais est-ce que vous bénéficiez des apports financiers au niveau des associations? Est-ce qu'il y a des cotisations que les associations doivent donner au niveau de la fédération? Et est-ce que, comme on a des... il faut être uniquement président d'association ou bien la présidente est tenue de faire adhérer certaines personnes aussi? Bon. D'abord, il faut être président d'une association, puisqu'il s'agit d'une fédération. Mmh. Il faut être président d'une association. D'accord. Pour adhérer. Mmh. En plus de cela aussi, il y a les gens qui, comme je l'avais dit dès le départ, il y a les gens qui ne sont pas ouais, mais qui sont dans la FAFCA. C'est ça. Donc, ceux, ils n'ont pas leur village à l'ouest. Mmh. Ils vivent à Pribli, mais ce n'est pas leur village. C'est ça. Et quand ils apportent un intérêt, eux aussi, ils viennent s'adhérer. Par exemple, dans la FAFCA, nous avons l'association des Malinké. Il y a les Baoulé. Et il y a les femmes même qui sont venues individuellement, qu'on a acceptées. Puisqu'il s'agit du travail. Sinon, le premier point d'abord, il faut être président d'association. C'est l'ensemble d'associations. Nous avons pris pour faire la FAFCA. Mais pour nos soeurs qui ne sont pas ouais, qui disent que la chose m'intéresse, on ne les réunit pas aussi. Mmh. D'accord. Alors, au niveau des associations, quels sont les projets que vous avez pour permettre aux associations que dirigent vos différents présidents? Ok, merci bien. Au niveau des associations, et je sais que c'est comme ça, ça se passe dans chaque association. Mmh. Moi, je prends mon cas. Dès le départ, il y avait une manifestation, la journée de la femme à Quibdi. Et mon association, vraiment, m'a fait beaucoup plaisir. Les femmes dynamiques de Taobi. Elles sont venues vers la PCA avec ce qu'elles pouvaient faire. Les défilés, il y en a qui avaient le régime de bananes, le riz, champignons. Pour dire à la PCA, nous-mêmes, nous sommes déjà prêtes pour le travail. Donc, les femmes, comme nous voulons faire les magasins à Quibdi, nous voulons faire le commerce des produits vivriers. Donc, on encourage ces femmes-là à travailler dans les champs. Et quand elles travaillent, elles vont écouler leurs produits vers Quibdi. Et à notre tour, maintenant, nous allons chercher les acheteurs. Et la PCA même, bon, c'est les projets, c'est pas bien aussi de dévoiler ça d'accord, à l'écran. D'accord. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans le secret. D'accord. Alors, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci. Alors, elle garde en secret parce que, voilà, vous n'avez pas que... Voilà, parle pas vite, hein, faut pas vous allez prendre un projet là. Voilà, d'accord, c'est vraiment intéressant. Alors, mais déjà, cinq ans après, vous êtes vraiment satisfait de votre bilan? D'accord. Alors, satisfaction, à quel niveau? Quels sont les différents niveaux où la présidente est vraiment satisfaite? L'amour d'abord. Mmh. Avant, les femmes de Cuba ne se connaissaient pas. D'accord. Chacune était dans son camp. Mmh. Donc, la cohésion, la paix. Mmh. Et franchement, à ce niveau-là, je souhaiterais que les hommes de Cuba aussi fassent la même chose. D'accord. Entre nous, on se connaît. Pas de balades. En plus, au niveau des publics, comme je l'avais dit, les 10 brouettes que nous avons achetées, c'est la FAFCA locale qui gère. Et ça permet aux jeunes de travailler. Quand ils travaillent, ils ont un petit quelque chose. Au lieu d'aller voler, d'aller braquer les gens, ils sont occupés. Et aujourd'hui, à partir de ça, nous publions après le marché, publions à un beau visage. Ça, je suis très satisfaite. Quand je prends le cas de mon association, avant qu'on arrive au niveau de FAFCA, c'était une association comme ça, on arrive, on joue, on mange. Mais lorsque nous sommes retrouvés
en fédération. Et la PCA nous a dit, nous ne sommes pas venus là pour faire les fêtes, pour manger et partir. Je veux que les femmes travaillent. Je suis repartie. Moi, c'est au village, les femmes dynamiques, au niveau d'Abidjan, ne sont pas nombreuses. Mais au village, franchement, on a pris tout le village. Et quand je suis allée vers les femmes, je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, et voir une fois même tendre la main pour dire, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Donc, quand moi-même, je vais aujourd'hui à Taoubi, j'arrive sur le marché, j'ai l'embarras de choix, parce que je ne sais pas le produit de qui je vais payer. Elles toutes, elles ont émergé le marché. Ça aussi, c'est une grande satisfaction. Je suis très satisfaite et fière. En tout cas, je tire le chapeau aux femmes dynamiques de Taoubi. Bravo les femmes. D'accord. Alors, je viens, je la trésorière. L'association que vous dirigez, vous l'avez. Comment vous êtes arrivé à mettre en place cette association? Comment elle existe aujourd'hui? En quoi est-ce que vous êtes satisfait? Ouais, belle question. L'association que j'ai eu la chance de présider à Nadi Tebao chez moi, c'est parti d'où? C'est une de mes soeurs qui était là, et puis elle m'a dit, mais Manzi, au lieu de chaque jour donner, pourquoi tu ne nous appelles pas pour faire une association, pour former un groupe de femmes? J'ai dit, mais un groupe de femmes, c'est difficile à gérer. Elle a dit, non, on te sait déjà courageuse, on te sait militaire. Donc, appeler les femmes, réunir les femmes, va faire une bonne chose. Ok, on va essayer. Parce que ce jour-là, il y avait une qui devait se marier et elle est venue me solliciter. Et une parmi nous, elle est surprise, elle a dit non. Aujourd'hui, tu vas faire ça, mais la prochaine fois, on sera en groupe et puis on va cotiser. Quand une veut se marier, on va cotiser. Quand une accouche, on va cotiser. Quand une a un bonheur quelconque ou bien un malheur, on va cotiser. Si toi, tu viens donner un plus, là comme ça, c'est bon. Donc c'est comme ça, c'est parti du social et puis nous sommes arrivés en association. D'accord. Donc c'est, moi à mon avis, je prenais d'abord le social et puis les bonnes choses sont en train de venir. D'accord. Alors la fédération dans laquelle se trouve votre association fait 5 ans aujourd'hui et vous comptabilisez combien d'années votre association? Oui, je fais part de celles qui ont créé l'association. D'accord. Je fais part, on a eu, bon. D'accord, aujourd'hui vous avez créé l'association en 2021. Elle a été créée, nous sommes en 2021. Votre propre association a combien d'années? Oui, mon association, l'institut a été faite en 2019. Ah, super. 2019. D'accord. Ça fait 2 ans pratiquement. 2 ans, mais malheureusement, la maladie. Le coronavirus. Hein. Mondial, parce que là, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est ça. Ça fait que freiner un peu nos activités. Mm-hmm. Mais par la grâce de Dieu, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. D'accord. Vous avez ensemble le bisou de M. Gbagbesio, qui vous fait un gros bisou sur le plateau pour votre succès. Merci. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la présidente, on avait parlé, on parle maintenant de vous-même, votre propre association. En quoi est-ce que vous pouvez être satisfaite aujourd'hui de votre propre association que vous dirigez, la deuxième vice-présidente? Mais quand je parle de satisfaction aujourd'hui avec mon association, on a essayé quand même de sensibiliser les femmes à sortir de tout ce qu'il y a comme vice, c'est-à-dire l'oisiveté. C'est ça. Donc aujourd'hui, cette solidarité et ce social qu'on prône, on a essayé déjà de l'établir. Donc on demande aux femmes de s'accompagner dans leurs travaux champêtres. Parce que seule, elle travaille, c'est difficile. Donc, elles font des programmes d'accompagnement, mais elles s'accompagnent chacune dans la plantation de l'autre pour l'aider aux travaux champêtres. Avant, chez nous, on appelait ça équipe. Mais c'était une forme de GVC et tout. Et qu'on est en train de faire revivre, en leur mettant à disposition, par exemple, du matériel comme des machettes, des dabas, pour leur permettre vraiment de travailler. Et quand je dis que je suis satisfaite de ces femmes-là, aujourd'hui, quand on va au village, elles n'attendent pas forcément que nous qui venons de la ville, on leur donne de quoi satisfaire à certains de leurs besoins. Elles arrivent quand même à faire leur popote, sans attendre
que quelqu'un qui est venu d'Abidjan leur donne. Donc elles peuvent même te faire la nourriture pour te souhaiter la bienvenue. Or avant, c'était un peu difficile. Tu as tes belles sœurs, tu as tes sœurs qui sont au village. Et quand tu arrives, ils attendent que tu mettes la main à la poche pour que toi-même on te fasse à manger. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ce stade-là. Et en plus de cela, il y a aussi une sensibilisation du point de vue santé. On leur demande quand même de faire leur bilan de santé par moment. Bon, bilan de santé, c'est trop dit, mais aujourd'hui, on leur a parlé du test du col de l'utérus pour voir s'il n'y a pas d'infection. Comment faire pour les prémunir du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein. Et cela, on a ce projet avec nos frères médecins du village même pour pouvoir aider les femmes à se connaître sur le plan sanitaire et aussi à éviter certains maux. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous, la direction générale Côte d'Ivoire et celle de l'Europe, de la radio-télévision Presse Web, vous présentons toutes ces sincères excuses pour la 4e édition de la Nuit de la Communication avec tous les petits manquements qui ont pu se tenir. Nous profitons sur ce plateau, monsieur le directeur général Europe. Voilà. Je profite sur le plateau pour transmettre le message que m'a confié la direction générale. Vous avez toutes nos excuses. Vous savez, ce n'est pas facile d'organiser une cérémonie avec tout ce monde-là. Il faut gérer les humeurs, il faut gérer ceci, cela. Mais nous avons été très, très fiers que vous soyez parmi les nominés, les meilleures associations, les meilleures fédérations en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Et aujourd'hui, votre passage sur ce plateau atteste que nous avons eu raison de dire que la Fédération des associations des femmes de Kubli méritait cette distinction et qu'il n'y avait pas de favoritisme dans ce que nous faisons. Les uns les autres, vous avez écouté et ça a été vraiment extraordinaire. Nous avons su ce qu'on ne savait pas, au-delà de ce qu'on savait. Et ensemble, nous avons partagé des expériences de cette association. Mais vous serez aussi parmi nos invités cette année à la 5e édition de 2021. Alors, cette fois-ci, on va s'arranger pour que vous soyez dignement bien accueillis. Merci d'avance. Merci. D'accord. Voilà. On souhaiterait vous dire aussi merci pour cette nomination et aussi pour ce prix qui a été décerné à la fédération à travers son PCA. Sa PCA qui est Marceline Timoko Épouse-Mohan. C'est vrai, toute œuvre n'est pas parfaite, mais nous avons eu quand même plaisir à venir à cette cérémonie. Et ce qu'on souhaiterait dire aujourd'hui, c'est qu'on vous tire aussi le chapeau et vous avez tous nos encouragements. Et toutefois que vous pensez que vous avez une activité, que vous avez besoin d'accompagnement ou de conseils, vous pouvez toujours venir vers la FAFTA. D'accord. Donc, vous êtes nos frères. Pour ce que vous faites, on pense que vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de soutien. Donc nous n'allons pas vous tirer trop là-dessus, c'est vrai que vous êtes excusés, mais nous sommes en famille et puis on vous dit merci parce que l'humilité aussi précède la gloire. Merci beaucoup. Voilà, et ça c'est la Fédération des associations des femmes de Kwibli. Voilà, alors nous allons résolument vers la fin de cette émission. Alors, nous commençons par la trésorière générale. La trésorière générale, votre mot de fin à deux volets. D'abord, votre mot de fin en français, et puis votre appel à l'égard des femmes. Ah ouais, d'abord. Mathieu, c'est à vous. Bienvenue comme c'est à vous. Donc là, c'est un mon PCA. À PCA. Pour moi, ça, ouais, à dire plateau de paix. Pour moi, tout bon. En attendant, c'est à dire autour de nous, en dessous. La fédération toi au poisson hein bah dia mais il doit être et plateau de bécien et voilà ta sien mien bien non pas autour quand est plateau autour dia au dia association la main dia fédération la main elle dit ah association ta ta ni est ce que vous tout donné bah dit soit de non senior ba et ça et voilà ta sien à autour dia bah son pays pour être bon. Nous avons un nous avons un à
Merci beaucoup. Alors, la vice-présidente. Mathieu, retour, bon, je vais vous pousser. D'ailleurs, il y a tout le monde qui a été. On est mieux pour avoir la tribu. Mais c'est à quoi du voir vouloir payer, vouloir, on y a payé. T'as oublié, on est à d'au pour me. Elle est tribu à droite, tribu à retour, y a tribu à clair, à droite, et n'y a aucun pas retour à tribu à droite. Et n'y a aucun pas retour à droite. Il y a rien, on retourne son tableau pour. Bon, il y a deux, ma sœur, mais bon, il y a ma tête. Ma boy, no, they are no, Bawasia with a dropo. Who be able them, ma na toy, ya no, when we boy, no, and they are no pay, bound a song, bound in town, Bawasia tipo, so, eh, Pagimedoem, and then, eh, no, Pagimedoem, they are on your fame week, on your bobby, or can you me a little dear? I doubt messing. Where they upon your knock by, or twat, but I was swan, what I be and bleep in my. A dao pour me, a y a route à deux pots, a route à deux pots, y a mi a blia de bon nom, a y a blia de bon nom. Et maintenant, ma nous message et messien, ma dao pour, que gagne, n'y a qu'un nidi, n'y a pas de nude, bon ma de digrou nude, et qu'un y a dit, on a, et mi a bliquin, ouais, a ou tout coquin, a ou taille tienti, d'ailleurs, de nous a dit, messi. Dede me ay no la bode mi ato aye na wa ya mi abli de bonno wa ya flood bonno me sa en ya passe no me na de wa ke ya du opo e ya wetu wa du opo e ya to ina ti du opo wa ya de anye e ye no e ya mi abli bi edi. Voilà. Alors pour la CEDEAO, je reviens maintenant avec au niveau de la trésorière et président. Alors la trésorière générale, la CEDEAO en français maintenant. Merci. Je tiens d'abord à dire merci à cette émission, à dire un merci spécial à notre PCA et à toutes nos sœurs qui sont loin de nous aujourd'hui, qui nous suivent. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Merci aussi à notre présidente nationale, à Amène Doua et ma trésorière, la première trésorière, mon adjointe, Madame Kessé, qui est là aussi. Sur le plateau, mais qu'on ne voit pas. Oui, elle est accompagnée de sa trésorière. Elle est venue nous accompagner, mais elle est là, elle a le sac de la trésorière. On allait même faire un bilan financier si vous le voulez demander. Les deux trésorières étaient venues, hein, parce que là, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Vraiment, l'émission a été vraiment bienvenue. Il fallait qu'on vienne se faire connaître. Message que je lance aujourd'hui, c'est à l'endroit de tous nos frères de Kwibli. Ensemble, l'union fait la force. Il faudrait que vous veniez nous soutenir. Nous sommes une famille. Aidez-nous à grandir. C'est vrai que nous pensons déjà que nous sommes une grande fédération, mais avec l'accord de tous nos frères, nous ne faisons pas de politique. Nous ne faisons pas de politique, donc ça veut dire que nous sommes à la disposition de tous nos frères de la région. En tout cas, notre souhait est que notre association parte de l'avant. Notre présidente a dit tout à l'heure, nous n'avons pas de priorité, c'est-à-dire d'être ni par-ci, par-là. Tous ceux qui sont de la région de Kwibli ont des intérêts dans notre association. Donc, femmes, ouais. Femme de Kwibli, peu importe ton appartenance, viens, nous allons mettre la main ensemble, développer notre cher Kwibli. D'accord, merci beaucoup. Alors, je repars encore sur la deuxième vice-présidente, hein, parce que là, la présidente va donner les grandes conclusions. Avec la présidente, on parlera des autorités. Voilà. Alors, la deuxième vice-présidente, maintenant, on s'adresse à la CEDEAO. Alors, m'adressant à la CEDEAO et à même à la diaspora, de partout dans le monde, où que vous soyez femme de Kwibli, nous vous invitons à nous rejoindre. Quelle que soit l'association à laquelle vous appartenez,
Je sais que partout où vous êtes, vous avez des associations qui vous permettent de vous retrouver, pour cultiver une solidarité communautaire. Nous vous prions de rejoindre la FAFCA, de vous inscrire à la FAFCA, parce que c'est d'abord votre base. Quibli, c'est votre base. Ce n'est pas forcément la FAFCA qui est votre base, mais Quibli étant votre base. Et qu'il y a une idée qui a germé pour faire naître une fédération des associations des femmes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous vous prions de revenir à la maison et d'intégrer la FAFCA pour qu'on puisse travailler ensemble pour notre département. Nous disons merci à TV Gagnant, Info Gagnant, qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de présenter cette fédération-là, qui est la fédération des femmes, qui pourrait être même aussi moteur de développement et qui est déjà moteur de développement. Alors, nous vous prions de prendre le train qui est en marche vers le développement de Quibli pour qu'ensemble on puisse travailler pour notre beau département. Parce que ce département de Quibli, il a été longtemps le vivier de l'Ouest. Il a été longtemps celui qui approvisionnait l'Ouest. Alors, il faut qu'ensemble, on essaie de maintenir cette barre et qu'on demeure à la place qui nous a toujours été donnée à l'Ouest. Merci. D'accord. Merci beaucoup, la vice-présidente. Madame la présidente, vous avez dans votre département des cadres. Vous avez des élus comme les maires, comme les députés. Vous avez aussi des cadres. En tout cas, vous allez vous adresser d'abord à vos élus et cadres du département du Quibli. Votre message en ouais à l'égard de vos élus et cadres. Ok. Aponia, élus et cadres. Aponia, Tchénia et Quibli. On est à Blouadroup, ouais. On est à Droup, ouais. Après avoir dit non pas être dans la noix quand il nous est mis à bien y amener et tio alors bon on est nous pas yo on est ouvert tout à des dieux et c'est politique c'est digne bon blé ma foi que hier ni après ne l'avoir dit on ouais et toi son derrière nous wa bro aya ni amu wa moyadi et je wa yadi après à qui bro après ni wa body et je dois quoi et mais après moi nous donne à Diego, Banéodeo, Basemino, Awe Jamu, Medea Nune, Miawe Jamu, Awe Tunia de Dio. Blue at the Nessi, Ne Mia Bine, Assessi, and Etadwe. Don't they at the moins, Awe Blue, Aya, Ya, Pier, the Yatunkaya, who pay a man. D'accord. Maintenant, encore en ouais, toujours, on va s'adresser maintenant à toutes les femmes ouais de Quibli, celles qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Ok. Après, on a dit nous pas vivre au Brésil, mais abri. On a écrit à Blois que c'est meilleur pour nous d'abord, parce que quand nous encore à nous, à Dieu pour mes siens, à Dieu avec eux, mais bon là à des dessins, à voir tout en boy, à voir y a ouais y a. De la main au coin. De nous on y a nous, nous c'est à qui dit que, mais que à Dieu à qui. On a écrit à Blois que we mani blo ye da no ben mo diri e bo ma se ma pro ni ni si e mu anu ma je pa me ta da na ga ona mi a bi e ese de ne amo asenyu bla blo asu po de te amo te mo ke ba te kla ye so na ja nyu ani akwa ide ata mu ma je pa nu kwa won agbo nu ata ba su po ji kla ye ju a ja e bi wa ye mu e so fa wa nu pu me même su de di mo pe blo de ye fa fka di da dina a on y a tiens claqué quitte toi y a diablam basi bani a diablam toi y a télévision bon tu y a mis bon dans diablam na a seigneur blanc y a diablam donc ma dédi lui a pour aussi est pas que a dit mi habite et seigneur doit soit tenir a veut toi deu pour mi bible donc rien ni a da monia on a le mi habite il le qui bien puis il a tenir mon con au mon qui dit doit parce qu'on a nous pas ni qui dit pour on a nous pas ni dit dans moi non ben pour tout cas so a mo ba wa sana ke so wa ko se da na do de ya pour nous c'est même. D'accord. Et est-ce qu'au niveau de l'association, au niveau des femmes, il y a un âge pour entrer, pour adhérer à votre association, ou bien toutes les jeunes filles aussi qui peuvent tout le monde. D'accord.
Alors toutes les femmes, quel que soit votre âge, vous êtes appelées à adhérer au sein de cette fédération, à commencer déjà d'abord hein, par les différentes associations que vous avez dans vos différents villages. Adhérer à ces associations de femmes. Une fois que vous avez adhéré, automatiquement, vous êtes au niveau de la fédération. C'est ça. D'accord. Alors, la présidente, maintenant en français, vous allez vous adresser à tous les voix, à tous les élus, même ceux qui ont perdu les élections législatives. Vous allez aussi vous adresser à tous ceux-là. Voilà, adressez-vous à tout le monde. Okay. Voilà. D'abord, je remercie la presse pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. À vous, mes frères et sœurs de Tuidi. Les élus, même ceux qui ne sont pas élus, être élu, ça c'est une affaire politique. Mais tu es public, ton sang est public. Si les femmes de public t'appellent, il faut répondre. C'est Dieu qui établit le pouvoir. Et chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, comme Salomon l'a dit. Chaque chose a son temps. Publi est là, Publi ne passe pas. Si ce n'est pas toi aujourd'hui, demain, ça peut être toi. Donc, si tes soeurs t'appellent, il faut répondre. Et à vous aussi, les élus. Vous là. Vous les élus. On vous connaît. Quand vous avez besoin de nous là. Là, vous savez qu'elles existent. Là, vous savez que vous avez des soeurs. D'accord. Mais une fois que vous êtes là, là. Ah, pour les recevoir maintenant, ce sont des audiences et audiences. So, les honneurs, les secrétaires aussi nous empêchent. En tout cas, prenez photo maintenant. Les femmes de Fafka, là, si on arrive, que vous soyez ministre partout où nous allons venir, là, nous sommes prioritaires. Parce que, comme on dit même en Wela, c'est nous qui sommes Boua Dongo là. Non, n'abandonnez pas vos soeurs. C'est sur vous, nous allons compter pour être à la hauteur. Après Dieu, là, c'est sur vous. Parce que quand vous ne nous regardez pas, là, vous sous-estimez. Hein? Il faut qu'on soit fier de vous. Regardez le cas du ministre Hubert Houlaï, le ministre Griéou, et j'en passe. Nos frères de là-bas, là, ils jugent par cela. On a besoin de votre sourire d'abord, la première des choses. Quand tu vois ta soeur, il faut lui sourire. Sinon, nous sommes là. Chacune peut prendre sa machette. Nous, on fait tout. Hein? Mais l'amour des publics, quand nous sommes ensemble, c'est bon. On a besoin de vos conseils. On a besoin de vos conseils. Et puis, je profite aussi pour dire, c'est vrai, chacun a son bord politique. Mais nous ne sommes pas des ennemis à venir. Il faut que nos frères la comprennent. Parce que c'est gênant pour nous les femmes. Quand tu vas vers un et puis il ne parle pas à l'autre. Quand c'est comme ça, nous sommes gênés. Franchement, nous sommes gênés. Nous sommes vos gnougnouins. Éloignez-nous de votre politique. Que tu sois élu ou non. Si nous venons vers toi, ce que tu peux faire pour tes soeurs, pour les aider à réaliser à atteindre leur objectif, il faut le faire. Donc voilà ce que je vais dire aux élus. À vous, mes soeurs, celles qui ne sont pas encore impliquées dans la FAFCA, celles qui ne sont pas dans les associations, dans les villages, ne dites pas les choses, c'est nous tous notre chose. Je vous demande de ne pas regarder la personne de Marceline Temoko épousement. Ne regardez pas la personne de Madame Oulaye. Ne regardez pas la personne de Madame Zieyi. Ne regardez pas la personne de Miss Toi. Et même de la trésorière. Et de la trésorière à jour. Et comment s'appelle? Madame Kessé. Tenez compte de nos idées. Tenez uniquement compte de nos idées. Parce que le monde passe. Nous, on peut quitter demain. Une autre équipe va venir. Si cet amour est déjà entre nous, c'est ça. Personne ne peut nous atteindre. L'union fait la force. Notre objectif, notre mère commune, c'est Kubi. Si Kubi est développé, si la femme de Kubi n'est pas mendiante, si on ne peut pas tout dire. En tout cas. Parce que ce qui se passe dans les villages,
vous êtes sans ignorer. C'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui. Nos frères sont obligés d'aller prendre crédit chez les gens que nous avons hébergés. Ça fait mal. Aidez-nous. Les femmes aussi, levez-vous. Qui a dit que femme ne peut pas avoir l'argent? On a vu les femmes qui prennent les machettes pour aller dans les champs pour planter le cacao. Vous pouvez faire comme elles? Quand vous dites je suis femme, je ne peux rien faire. Mais vous vous sous-estimez? La vie, c'est la femme. C'est la femme qui fait la vie. C'est la femme qui donne la vie. Toi, tu ne peux pas donner la vie et puis tu vas te sous-estimer et puis tu vas dire que tu es pauvre. Nous sommes bénis d'abord. Dieu nous a donné cette bénédiction-là. Dieu nous a bénis. Donc, on doit profiter de cette bénédiction-là pour faire des bonnes choses, pour créer les bonnes choses. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que nous étions sur le plateau de notre émission Au cœur des associations. Ouais, et sur ce plateau, nous avons reçu la grande fédération dans le département du Kubli, dans la région du Guémon. Il s'agit de la Fédération des associations des femmes de Kubli, FAFCA. Elles étaient sur ce plateau et représentées par la présidente, madame la présidente fédérale, la présidente nationale, madame Véronique Pécoura, épouse Oulahi. Elle a été accompagnée de la vice-présidente, madame Toi Armen, voilà, vous savez le nom là, souvent Armen, donc je me force à ne pas faire des erreurs. Il faut que j'appuie bien là-dessus, madame Toi Armen, voilà, et puis aussi la trésorière générale, madame Ziei Rose Kwaye. Elle est aussi accompagnée de la trésorière adjointe, madame Kessé, c'est ça? Voilà, madame Kessé Brigitte qui était avec nous aussi, et puis vous aurez l'occasion de la découvrir à notre prochaine émission. Voilà, nous avons été très très heureux pour vous tous et pour vous qui avez pris part à cette émission. Je vous dis merci, que Dieu veille sur vous et puis croyons toujours en ce que nous faisons. Je termine avec quelques messages. Tout est grâce, merci beaucoup pour le message qui dit « Bravo, belle émission, très constructive, j'ai aimé, bisous aux femmes ». Vous surtout aussi au présentateur, merci. Je vais saluer aussi notre père, oncle commandant Galéi, que Dieu veille sur toi au grain, comme il le fait tous les jours. Voilà, alors à la PCO qui nous dit, toute ma reconnaissance au journaliste Wilson qui a toujours soutenu la FAFCA et tous les regroupements de femmes, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Voilà. S'il vous plaît, allez-y. On a une information à faire passer. Faites passer l'information. Et chaque fois qu'il y a les fêtes d'indépendance dans le département de Kubli, la FAFCA participe aux différents défilés pour présenter la fédération. Et ça vient déjà. Et cette année, la FAFCA sera, comme elle a déjà fait deux éditions à Kubli, la FAFCA sera à Datouzon, où il y a la fête de l'indépendance qui est organisée et dont je suis la PCO. Donc mes soeurs vont défiler à Datouzon pour qu'on les connaisse aussi dans la sous-préfecture de Totodou. D'accord. Alors, cette information, que la comptabilité de la direction générale fasse allégeante, voilà, on peut profiter pour introduire quelque chose rapidement. Ouais. Voilà, donc il faut retenir que déjà au mois d'août va se dérouler la fête de l'indépendance. Toutes les femmes des associations que dirigent, toutes les présidentes qui sont au sein de la FAFCA, mobilisez, vous commencez déjà à vous préparer par rapport à cette fête-là. Est-ce qu'il y aura une tenue? Est-ce qu'il y aura un pagne? Oui, on a déjà notre pagne. D'accord. On a un pagne FAFCA. Qui est estampillé FAFCA. D'accord. Donc, et c'est combien déjà ce pagne-là? Le pagne coûte 3 000 francs. 3 000, waouh, c'est super. Voilà. Alors donc, mobilisez-vous à vraiment avoir ce pagne. On va laisser quand même les contacts parce que certaines associations femmes de l'extérieur peuvent appeler, tout ça. Alors, la présidente, votre contact. Présidente nationale. Je suis au 05 46 12 78 63 07 07 81 32 92. D'accord. Alors, allons-y. 05 46 12 78 63 07 07 81 32
92. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire, je pense bien que vous avez bien retenu ce numéro et aussi et tous les cadres et élus de la région même du Guémont. Alors, vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans des associations au village, tout ça. Alors, la trésorière, votre numéro pour que toutes ces femmes qui sont de votre village là, à l'extérieur, vous nous appelez pour dire que vraiment j'ai décidé de venir dans l'association. Oui, mon numéro c'est le 07 08 70 35 78. D'accord, on reprend encore. 07 08 70 35 78. Voilà. Alors, donc, vous pouvez prendre contact déjà avec votre présidente si vous êtes de ce village, vous êtes aux États-Unis, à Londres, en France, partout, même dans les pays arabes. Voilà votre présidente. Voilà. Alors, la vice-présidente, votre numéro. D'accord, le numéro de Armen Doua, 07 47 32 80 49. Et le 05 05 71 34-28. Voilà. Alors, c'est sur cette belle note que nous allons nous séparer, tout en vous souhaitant encore une très bonne nuit. Au revoir et nous sommes à la prochaine. Merci. Au revoir.